السلام عليكم ورحمة الله خالتي، والسلام على كاع لي سيبورتر تاع ليكيب ناسيونال في جميع أنحاء العالم. فوالا خوتي، جوست افون دو كومونسي جو فولي فيليسيتي نوتر غون فرير دو تيليني كي ا في سا بروميير فيديو. إلا لو بسودو سولاي 1693. دونك يا خويا tu parles très bien, tu as de très très bonnes idées et tu les exposes très bien. Donc voilà خويا، دونك حنايا on t'encourage à faire d'autres vidéos. Ça a été franchement un plaisir. Barakallahu fik. Maintenant, ce qui se passe, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendaient mon analyse à froid aujourd'hui. Moi, j'ai pas encore le cœur pour la faire, je vais pas vous mentir. Donc donnez-moi encore un ou deux jours, Inch'Allah, et je la ferai. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'attendent. Barakallahu fikoum. Et peut-être, Inch'Allah, Saaden va écouter le bon sens. Il va faire ce qu'il a fait sur le secteur des milieux défensifs, où il a mis Mansouri sur le banc, et on a vu Yibda et la scène et leur travail, leur impact sur le jeu de l'équipe nationale. Voilà. Peut-être, Inch'Allah. Mais on reviendra, Inch'Allah, quand on parlera, quand on fera notre analyse à froid, et je la ferai avec mon, et je donnerai mon humble avis de supporter, Inch'Allah. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un phénomène que je suis en train de voir. Oui, Kouya Ranoutani, il en a parlé quand il a fait ses deux dernières vidéos dans sa première partie. قال لك كاين شي ناس كيما قال يقول خويا غانو شي ناس راهم يدخلونا في لي سونتيمون فوالا وقال لهم خويا غانو ما تدخلوناش لي سونتيمون سا سير ا ريان اي موا دو مون كوتي جو سوي ان تران دو فوار سيت جورني لا جو سوي با جو سوي ريستي جو سوي ريستي او بيرو جي ايتي سور انترنت بوندون لونتون اي جي فو جو سوي بارتي سور انورميمون دو سيت سبيسياليزي سور دي فوروم سور فيسبوك انورميمون سور فيسبوك اي جي فو سو فينومين لا ce que moi j'appelle un esprit féminin dans la manière de supporter l'équipe nationale. Voilà, parce qu'il n'y a que du sentiment. Il n'y a que du sentiment, que du sentiment. Que ce soit, il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette pratique-là. Mais bon, ça, je peux le comprendre d'une certaine manière. Parce que, voilà, parce que la femme est par essence sentimentale beaucoup plus que l'homme. Malgré que je connais des femmes qui connaissent leur sujet, qui savent de quoi elles parlent quand elles parlent de football, et qui peuvent faire des analyses très très pertinentes. Mais bon, mais sur ces femmes-là qui utilisent les sentiments et tout ça, je vais y revenir. Moi, ce qui me choque le plus, c'est quand je vois des hommes tenir strictement les mêmes arguments que ces mêmes femmes. Il y a certaines personnes qui nous sont en train de nous faire de cette équipe nationale un roman à l'eau de rose, ou une Saadane, Ghazal ou la Chaouchi, c'est des pro-chevaliers à la quête de quelque chose, je sais pas quoi. On n'est pas en train de parler de roman, El Jmaa. On est en train de parler de football. On est en train de parler de sport, de performance. On est en train de parler de résultats, de rendement. On est en train de parler de choix, de tactique. On est en train de parler de tout ça. Rani chauffe des Rzel en thème, des Saadane en thème et tout ça. Tu aimes Rzel, tu aimes Saadane, il n'y a pas de problème. Je n'ai strictement aucun problème. Mais quand c'est sous ma vidéo, là sous la vidéo de Rani ou là sous la vidéo de n'importe qui, le problème c'est quand vous présentez ça, comme si c'était une critique. À ce que vient dire Rano, la moi-même ou la n'importe qui. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a dit chez Alekoum Khaouti, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Hna, on est en train de parler de football, vous nous parlez de sentiments. Ou je vais te répondre, les kiaari qui te goulin, hab saadan, hab ghazal. Nakhou, yahab hom. Ma handi ma kollak. Mais ça n'en fait pas une critique sportive. N'en fais pas une critique sur ce qu'on est en train de parler. Ne fais pas de ton argument sentimentaliste une critique sur ce qui se passe actuellement au niveau de l'équipe nationale. C'est ça le véritable problème qu'on est en train de voir actuellement. C'est ça le sentimentalisme exagéré. Il est en train de faire barrage à la véritable critique. Voilà, à la véritable critique constructive. On a fait une critique sur Mansouri, elle était constructive ou pas? Elle a été constructive, subhanallah. On l'a vu sur le terrain. Donc, on aime les sentiments. Ok, bon, je vais essayer de leur répondre de la manière la plus brève. Les Mazalons, t'as 24 ans, Maoul Nash, la Coupe du Monde. J'ai envie de leur dire un truc. Les grandes nations ne s'arrêtent pas à un fait historique. Les grandes nations de football s'inspirent d'un fait historique pour avancer. Yel Jmaa. Si on devait s'arrêter à Omdurman, on aurait un goût comme Hadj, aucun marahnech la Coupe du Monde. Si c'était que ça, si c'était Rem Rebho Rombark, Adamak, les Égyptiens, on dit pour la qualification, les Égyptiens, on a les Zambiens, on a les Rouennais, on a les Rouennais, on a les Rouennais, parce que c'était le but,
Là où je dis, c'est qu'on n'a rien compris au football. Le football avance. On a eu des compétitions, les Jomumbad. On a une Coupe d'Afrique très moyenne. On a une Coupe du Monde, on rate complètement notre premier match qu'on devait gagner. Donc si on doit être des bniwiwis et rentrer dans le sentimentalisme en disant merci Saadan, parce que le haqna la Coupe du Monde, oui, merci Saadan, le haqna la Coupe du Monde, et après. Classe, merci Saadan, ou nous merci Saadan. Ou qu'elle baisse la qualification. Maintenant, il a pris ses responsabilités de continuer jusqu'à la Coupe du Monde. Donc, il est sujet à la critique. Que vous le vouliez ou non. C'est comme ça. Même qu'il te qualifie dans la Coupe du Monde, on faisait certaines critiques. On parlait du fond de jeu, on parlait de la cohésion, du long ball et tout ça. Déjà, même à cette époque-là. Mais Saadane, il a pris sa responsabilité. Il a voulu continuer jusqu'à la. Et en plus, il a refusé. Que des personnes l'aident. Donc, il est sujet à la critique. Donc, les sentiments à Doma, ça ne sert strictement à rien. Arrêtez avec vos sentiments. Moi, Rouyarano, j'ai envie de te dire un truc. Tu as dit, Rouyarano, tu as dit une phrase. Attention, la chute sera dure. Rouyarano, nahlflek billah, qu'ils s'en foutent de la chute. Mais ça leur passe au-dessus, la chute. Tu crois qu'ils pensent à la chute? L'équipe Tersol, l'équipe Terbes, c'est la même chose. On est rentré dans une autre phase maintenant. Maintenant, on est dans l'idolâtrie. On est dans un esprit de groupie. On n'est plus dans un esprit sportif. Tu vois, il y a certains acteurs, Zama Kima, je sais pas, Nakibin Kosner. Moi, je crois que certains acteurs, ils disent un ou deux bons films, ou bien qu'ils disent que des mauvais. Ou là, Zama, un chanteur, il donne un bon album, ou bien qu'ils disent que des catastrophes. Mais il a toujours ses fans inconditionnels. Il a toujours ses groupies. Il a eu ses films, il a eu ses albums, il a eu ses concerts, malgré là-haut derrière n'importe quoi. Hadi, ouais, l'artiste Hadi, il va jamais évoluer parce qu'il y a toujours des personnes autour de lui qui disent, oh, tu es magnifique. Non. Donc, khallou nam les sentiments, El Jmaa. Khallou nam les sentiments à Douma qui ne servent strictement à rien. Habit et voilà, et maintenant je reviens aux femmes. Il y a beaucoup de femmes qui viennent sur mes vidéos. Pas toutes, hein, parce qu'il y en a qui font de bons, mais il y a certaines qui viennent et qui me font comme si c'était une poésie. Oui, nanani, Saadane et tout ça et tout. Mademoiselle ou madame, on est en train de parler de tactique, on est en train de parler ce qui se passe sur le terrain. Si vous avez quelque chose à apporter, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais apportez-moi des arguments tactiques, technique sur ce qui se passe sur le terrain. Ne me parlez pas de votre amour inconditionnel pour Saadane ou ne me parlez pas aussi pour votre reconnaissance éternelle à Saadane ou là à Rzel ou là à n'importe qui. Voilà. Si demain Saadane fait un bon choix, on dira oui, il a fait un bon choix. Quand il a mis Mansouri sur le banc, même si c'était tardi, mais on a dit que c'était un bon choix. C'est ça la critique sportive. Voilà. Donc arrêtez de nous rentrer les sentiments, les romans à de l'eau de rose, les habitouilles, ça c'est une mentalité de groupie. On est sous leur balcon et crier leur nom. Adamakan. Ce qui nous intéresse, c'est sur le terrain. Ou bien dès qu'on vous laisse ce qui est en dehors du terrain, on vous laisse. Ou Shaoulab ou Sharrah ou Shbab, ou la Coupe Diel ou Shabba. Al-Kifa. Ou Saadane Mskin Mnouar, ou Hakdaï, on vous laisse pour vous. On parle sportivement. On part sur ce qui se passe sur le plan sportif. Autre chose, ça nous intéresse pas, El Jmaa. Ça nous intéresse pas. Voilà. Donc, le sentimentalisme et cet esprit, et là je parle à certains hommes, sortez de cet esprit féminin, groupie, en train de trouver des excuses à chaque fois. Ça, c'est Kima, ou là, un site, j'avais une amie, elle était fan d'un chanteur, ou là, un site, ou là, un chanteur de R&B, il avait fait, un site, ou ce mot, qui ne te fait là, encore, comme. Il est derrière une, ou la belle, deux, ou belle chanson, bah, derrière, il y a rien d'un, qu'on a le droit, alors, la musique d'elle, ou alors, ah ouais, c'est pas, il y a des machines, gars, des paroles, mais toujours à lui trouver des excuses. Là, là, ok. Non, non, Hagda, mais tu vois, là, vois le terme. Non, mais regarde ce couple, et il est bien. Non, Hagda, il y a eu un mauvais coaching de Saadane, il a eu des excuses. Pour ne pas radoter, vous avez radoté, c'est ça le mot. Vous m'avez compris, je pense. Vous avez compris le fond de ma pensée. Donc, il y a le Jma'at al roman, ou il y a le Jma'at al hub. يا ولدي ديروا سيت وحدكم وديروا لي فيديو تاعكم وكريي فوتر امور
ديروا كيما هذاك المهبول هذاك اللي بدا يعيط كي هبلوا له بريتني سبيرس بدا يعيط اللي بعتها لي تين هي ان كو جو سالي فوالا هذاك بدا يعيط وبداو تعيطوا غزال سعدان هكذا قلبوها خرجوا كاع واش كاين في قلبكم حنا خلونا الفوتبال تاع شيماكم هذا ما كان يا سلام عليكم.